Nous sommes à Manhattan, au printemps 1943. Le célèbre aviateur et écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry, fait ses adieux à sa dernière passion, Sylvia, une jeune journaliste new-yorkaise. Celui que ses contemporains considèrent comme un héros de l'aviation rentre en Europe après 2 ans passés aux États-Unis. Ce 17 avril, Saint-Exupéry confie à Sylvia un bien précieux, le manuscrit du Petit Prince. Un conte pour enfants qu'il vient d'écrire et d'illustrer. Le récit d'une quête qui deviendra un succès planétaire. Nourrissant ses écrits de son existence passée en vol, Antoine de Saint-Exupéry a mis dans son Petit Prince tous ses espoirs et ses blessures, l'étendue de sa poésie et de sa tendresse. C'est un homme usé par une vie chaotique qui quitte l'Amérique pour aller combattre l'Allemagne nazie. De lui, nous ne disposons que de rares images. Celles-ci, filmées en 1942, sont sans doute les dernières de l'écrivain aviateur. Malgré sa renommée mondiale, acquise tant pour ses exploits aériens que pour ses prix littéraires, Saint-Exupéry a été très peu filmé. Il n'aimait pas apparaître devant les caméras, ni répondre à des questions. Humble et terriblement épris de liberté, il se méfiait de la gloire. À la vie mondaine, il préférait les longues heures passées dans le ciel durant lesquelles il aimait méditer sur l'état du monde et sur l'homme. Et être confronté à lui-même. Mais que cherchait-il, lui, l'aristocrate et l'artiste, au milieu des éléments déchaînés? Il était très distrait. On l'appelait d'ailleurs Pique la Lune. Il était désireux de compliments et avait besoin d'être rassuré. Toute sa vie, il a gardé un fond de fraîcheur et d'enfance. Il aimait la camaraderie et avait un grand sens de l'amitié. L'histoire de Saint-Exupéry commence en même temps que le XXe siècle, en 1900. La maison de Saint-Maurice de Rémence, près de Lyon, est essentielle dans son existence. Elle est le lieu de ses plus beaux moments d'enfance. Une enfance si pleine de poésie et si amusante qu'elle devient sa seconde nature. Et ce, malgré l'absence d'un père. Jean de Saint-Exupéry, le père d'Antoine, meurt subitement quand l'enfant a 4 ans. Il laisse derrière lui sa femme, Marie, avec de trop faibles ressources pour élever sa famille. Antoine vit une enfance nomade, hébergé avec sa mère et ses frères et sœurs chez différents parents. Après 2 ans passés dans la propriété de leur grand-père maternel, la famille s'installe à Lyon, chez une tante fortunée. C'est le moment où la maison de Saint-Maurice entre dans la vie d'Antoine. Il a 7 ans. Écoutons ce qu'en disait sa mère. Dans cette maison, Antoine faisait des provisions de bonheur. Le parc était le paradis des enfants. Antoine ne semble pas s'émouvoir de cette enfance décousue, tant la maison de Saint-Maurice est un repère pour lui, et tant il est proche de sa mère. Il est son préféré. Elle fonde en lui les meilleurs espoirs. Elle adule ce fils fougueux et charmeur, lui passe tous ses caprices, toutes ses fantaisies. C'était un enfant excessivement vibrant, excessivement enthousiaste. Il était excessivement beau aussi. Il avait une vitalité prodigieuse et surtout une imagination débordante. Il passait son temps à inventer des moteurs, des projets de machines. Il avait inventé une bicyclette à voile. On avait demandé à la vieille gouvernante de fabriquer une voile avec un drap de lit. On avait fixé cette voile à la bicyclette et il se lançait à toute allure vers la fin du parc dans l'espoir que la bicyclette décolle. Marie de Saint-Exupéry a une âme d'artiste. Elle enseigne à ses enfants le goût de l'art et une passion pour la nature et les animaux, qu'Antoine conserve toute sa vie. Elle est dépassée par la vitalité de ses enfants, mais peu lui importe. Malgré les difficultés financières, la famille vit de façon très joyeuse, même insouciante. Antoine se révèle vite un écolier rêveur, indiscipliné et rebelle.
Les notes d'Antoine sont selon moi un grand encouragement pour tous les écoliers. Parce qu'elles étaient épouvantables. Il négligeait tout ce qui ne lui plaisait pas. C'est-à-dire, il n'aimait que la littérature. Et détestait l'histoire et la géographie. Antoine grandit dans un monde de femmes. Sa mère, ses trois sœurs, ses gouvernantes, ses tantes. Son charisme est tel qu'il est le roi de la maison. Entre lui et les femmes, c'est une grande histoire qui commence dès son enfance. Il règne aussi sur son frère cadet, François, son unique allié masculin. Le rêve d'Antoine, c'est de voler. Il a 5 ans quand les aéroplanes font leur apparition en 1905. Ils font fureur. La France est pionnière dans le domaine aérien et les inventeurs rivalisent d'imagination pour créer des machines volantes. C'est le début des temps modernes. Sa première expérience d'aviation s'est faite à Ambérieu, à quelques kilomètres de nous. Antoine s'est débrouillé pour voler dès l'âge de 12 ans. Avec ce baptême de l'air, il réalise qu'en plein ciel, sa liberté est illimitée. Cette même liberté qu'il découvre avec les mots. Je possède à Saint-Maurice un grand coffre. J'y engloutis depuis l'âge de 7 ans mes projets de tragédie en 5 actes, les lettres que je reçois, mes photos, tout ce que j'aime, pense et tout ce dont je veux me souvenir. Quelquefois, j'étale tout pêle-mêle sur le parquet et à plat ventre, je revois des tas de choses. Il n'y a que ce grand coffre qui est de l'importance dans ma vie. En 1914, la Grande Guerre éclate. Marie de Saint-Exupéry devient infirmière. Elle doit envoyer ses deux fils en pension. Une punition pour Antoine, qui supporte mal la discipline rigide des collèges religieux. C'est l'hiver 1917. Après avoir passé des fêtes de fin d'année en famille, les deux frères regagnent leur pensionnat. Le temps est glacial. François, qui a oublié son manteau, attrape froid et tombe malade. Un matin, vers 4 heures, son infirmière me réveille. Je m'habille en hâte et rejoins mon frère. Il me dit d'une voix ordinaire, « Je voulais te parler avant de mourir. Je vais mourir. » Une crise nerveuse le crispe et le fait taire. Durant la crise, il fait « non » de la main. Et je ne comprends pas le geste. J'imagine que l'enfant refuse la mort. Mais l'accalmie venue, il m'explique. « Ne t'effraie pas. Je ne souffre pas. Je n'ai pas mal. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est mon corps. » J'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas très les vieilles écorces. François disparaît à l'âge de 15 ans. La mort de cet unique frère blesse Antoine au plus profond de lui-même. Sa tristesse est si grande qu'il ne peut l'exprimer. Elle lui bloque le cœur. Il mettra 20 ans avant de pouvoir évoquer cet événement. Antoine sort de l'enfance de façon très brutale. Lorsqu'il arrive à Paris, Antoine a 17 ans, son baccalauréat et l'intention d'intégrer l'école navale. Provincial et sans le sou, mais issu de l'aristocratie, il vit chez une cousine de sa mère dans un hôtel particulier en bordure de Seine. Le salon de sa cousine est un repère des intellectuels du quartier latin. Antoine côtoie donc très tôt le milieu littéraire. Pour lui qui aime écrire des poèmes depuis l'enfance, c'est une aubaine. Il goûte également aux privilèges du grand monde et se lie avec les Villemorin, l'une des familles les plus sensationnelles et les plus influentes de Paris. Fantaisiste, orphelin désargenté, opposé aux conventions, il est un être à part, vivant en marge de son milieu d'origine, passant de soirées fastueuses en jours de bohème, aimant méditer et écrire dans les cafés.
Il échoue deux fois à l'entrée de l'école navale, sans pouvoir se représenter, ayant dépassé la limite d'âge. Pour se venger, il déclenche une alerte incendie à l'annonce des résultats. Sans grande conviction, il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts en architecture, mais abandonne rapidement. À 21 ans, son service militaire le détourne de ses échecs d'étudiant. Il ne sera pas marin, alors pourquoi pas aviateur ? Mon opinion sur le métier militaire est qu'il n'y a rigoureusement rien à foutre, du moins dans l'aviation. Apprendre à saluer, jouer au football, et puis s'embêter des heures durant, main dans les poches, cigarette éteinte aux lèvres, fienne vite le pilotage et je serai parfaitement heureux. Réfractaire à la discipline et méfiant à l'égard de tout système, il n'apprécie guère la vie militaire. Il s'imaginait déjà aux commandes d'un avion. Or, les cours de pilotage sont réservés aux engagés volontaires. Qu'importe, il contourne les règles et se débrouille pour passer le brevet de pilote civil. L'armée ferme les yeux, car il est Saint-Exupéry, noble et bachelier. Ma petite maman, j'ai fait ce matin 6 atterrissages que j'estime des chefs-d'œuvre. Théoriquement, je fais un trajet déterminé, mais chaque fois je me hasarde un peu plus loin et fais l'école buissonnière. Vers la fin de son service militaire, il est promu apprenti pilote près de Paris. Sa situation lui convient parfaitement. Il a la possibilité de passer un temps fou dans le ciel, et quand il est de retour sur Terre, il peut à nouveau profiter de la vie parisienne. La guerre est terminée, les années folles ont commencé. Paris est devenue une capitale avant-gardiste. Il se sent léger comme l'air, il est amoureux. Il a conquis le cœur de la jeune Louise de Villemorin. La très chic famille Villemorin désapprouve cette histoire d'amour. Louise, elle, est touchée par ce jeune homme, certes timide et fantasque, mais artiste, cultivé et éminemment romantique. Ils se fiancent en 1923. Malheureusement, les acrobaties aériennes d'Antoine lui valent un premier grave accident sur le terrain du Bourget. Trop dangereux, pense son entourage. Pour l'amour de Louise, il renonce à l'aviation. C'est un crève-cœur. Il devient employé dans une tuilerie, puis représentant en camion. Il s'ennuie à mourir. Il déprime. Qui plus est, Louise de Villemorin l'abandonne du jour au lendemain. Pire, elle se volatilise sans lui donner la moindre explication. Cet abandon est d'une cruauté absolue pour le jeune homme. Il se confie à sa mère. Si vous venez à Paris, j'essaierai d'être le plus doux fils possible. Vous vous installerez dans ma chambre. Vous y serez mieux qu'à l'hôtel et je viendrai le soir vous prendre et nous dînerons en tête à tête. Et je vous raconterai des histoires drôles que j'ai apprises pour vous. Et vous serez un peu contente. Et puis, c'est vous qui ferez mon bonheur. Je ne sais pas pourquoi j'ai été butée à m'en occuper seule. Ce n'est que vous qui arrangerez tout. J'abdique entre vos mains. C'est vous qui parlerez aux puissances supérieures. Je suis comme un tout petit gosse maintenant. Je me réfugie près de vous. Mais sans cette rupture, sans l'obligation de dépasser sa douleur, Antoine serait-il devenu Saint-Exupéry ? Antoine est né de Saint-Exupéry. Il est sauvé du désespoir par les relations de sa famille et engagé par la compagnie aérienne Latéco Air, pionnière dans le transport du courrier. Il a 26 ans. Il éprouve enthousiasme et fierté. Il écrit à une amie de jeunesse. Chère Rinette, savez-vous que l'aviation, c'est une belle chose ? Et qu'ici, ce n'est pas un jeu, et c'est comme cela que je l'aime. C'est beau un départ de courrier au tout petit jour, sous la pluie. Latéco Air emploie deux as de l'aviation, Henri Guillaumet et Jean Mermoz. Tous deux deviennent pour Antoine des camarades, plus encore, des amis. Il entre dans un monde d'hommes et de héros. Un univers qui ne ressemble en rien à ce qu'il a connu jusqu'ici. Pilote expérimenté, Guillaumet le prend sous son aile. Antoine l'admire. Il répandait la confiance comme une lampe répand la lumière,
ce camarade qui devait plus tard battre le record des traversées postales de la Cordillère des Andes et de celle de l'Atlantique Sud. Quelques années plus tôt, ce soir-là, en manche de chemise, les bras croisés sous la lampe, souriant du plus bienfaisant des sourires, il me dit simplement « Les orages, la brume, la neige, quelquefois, ça t'embêtera. Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi et dis-toi simplement, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. » Après une période à l'essai dans les ateliers mécaniques de la compagnie, il devient pilote sur la ligne du courrier Toulouse-Casablanca-Dakar. La compagnie a perdu de nombreux aviateurs, victimes du peu de fiabilité des premiers appareils et du danger omniprésent au-dessus des territoires survolés, notamment du désert. Il assure donc des missions d'une extrême dangerosité et se montre courageux malgré son manque d'expérience. Flirter avec la mort devient son quotidien. Il s'ennuie dans les villes d'escale. Son seul intérêt à terre est de pouvoir écrire. Il envoie de nombreuses lettres à sa famille, à ses amis, dans lesquelles il raconte ses impressions de voyage et de vol, et leur fait partager ses émotions. Inconsciemment, de lettre en lettre, c'est son style littéraire qu'Antoine est en train de forger. Soit le récit de ses expériences vécues, racontées avec sincérité et sensibilité. Il écrit une nouvelle sur ses sensations d'aviation qui sera publiée. Rinette, la nuit, je ne suis pas semblable. J'ai quelquefois un peu d'angoisse quand je reste dans mon lit les yeux ouverts. Je ne veux pas demain me casser la figure. Le monde n'y perdrait pas grand-chose, mais moi tout. Pensez à tout ce que je possède d'amitié et de souvenirs et de soleil à Alicante. Et ce tapis arabe que j'ai acheté aujourd'hui et qui m'alourdit d'une âme de propriétaire, moi qui étais si léger et qui n'avais rien. L'acheminement du courrier est un travail exigeant. Bien qu'Antoine soit rêveur et parfois imprudent, il donne satisfaction. Il est nommé chef d'escale à Cap Juby, dans le sud marocain, au milieu du désert. Cap Juby est une étape vitale pour la ligne. C'est là que s'effectue le ravitaillement des avions. Une escale située sur un territoire tenu par les Espagnols, mais enclavée dans une région morte, insoumise. Les rebelles n'ont de cesse de descendre les avions pour prendre les pilotes en otage. Face à ce conflit, les responsables espagnols souhaitent fermer Cap Juby. Éduqué et instruit, Antoine est leur dernière chance. Il est envoyé tel un ambassadeur pour tenter de renouer le dialogue entre Maure et Espagnol. Il se passionne pour sa mission, bien qu'elle soit rude. Chaque fois qu'Antoine se sent isolé, il sait qu'il peut se confier à sa mère. Ma petite maman, c'est un dépouillement total. Un lit fait d'une planche et d'une paillasse maigre, une cuvette, un pot à eau. J'oublie les bibelots, la machine à écrire et les papiers de l'aéroplace. Une chambre de monastère. Les avions passent tous les 8 jours. Entre eux, c'est 3 jours de silence. Le marabout vient tous les jours me donner une leçon d'arabe. J'apprends à écrire. Et déjà, je me débrouille un peu. J'offre des thés mondains à des chefs maures et ils m'invitent à leur tour à prendre le thé sous leur tente à 2 kilomètres en dissidence, où jamais aucun Espagnol n'est encore allé. Et j'irai plus loin. Et je ne risquerai rien, parce qu'ici, on commence à me connaître. Ma petite maman, nous avons fait tous ces temps-ci des choses magnifiques. Rechercher des camarades perdus, sauvetage d'avion, etc. Je n'ai jamais tant atterri, ni dormi dans le Sahara, ni entendu de balles siffler. J'espère toujours revenir en septembre, mais j'ai un camarade prisonnier, et c'est mon devoir de rester tant qu'il est en danger. Il se peut que je serve encore à quelque chose. Pourtant, parfois je rêve d'une existence où il y a une nappe, des fruits, des promenades sous les tilleuls, peut-être une femme, où l'on salue aimablement les gens quand on les rencontre au lieu de leur tirer dessus, où l'on ne se perd pas à 200 à l'heure dans la brume, où l'on marche sur un gravier blanc au lieu d'un éternel sable. Antoine réalise dans cette zone si redoutée
des exploits en série qui construisent sa légende parmi les aviateurs. Cette expérience est, au-delà d'un coup d'éclat, un tournant décisif dans sa vie. Il résiste à la solitude et à l'ennui grâce à la méditation et à l'écriture et gagne en force de caractère. Il rentre de Cap Juby en 1928, avec dans ses bagages le manuscrit d'un premier livre, Courrier Sud, qui raconte l'aventure de la ligne et les périls vécus par ses pilotes. Il le soumet aux éditions Gallimard, qui choisissent de publier ce jeune auteur au style si frais et si neuf. Le désert l'a coupé de son ancienne vie. Ses amis se sont établis. Lui n'est pas marié, exerce un métier dangereux, n'a pas de réel port d'attache. Il se sent affreusement seul à Paris. Son unique bonheur est littéraire. Courrier Sud est un succès. Un nouveau défi l'attend avec L'Aéropostale, la conquête de l'Amérique du Sud. Il éprouve un peu d'angoisse, comme à chaque départ, c'est sa nature profonde, mais il se laisse emporter par sa mission. Ses amis, Guillaume et Mermoz, l'attendent déjà à Buenos Aires. À 29 ans, il a été nommé chef de la filiale argentine de la compagnie Aéropostale. Pour la première fois de sa vie, il gagne beaucoup d'argent et dispose de quoi aider sa mère. Si sa réussite le flatte, il découvre vite que les responsabilités l'encombrent. Je ne me fais plus l'effet d'une ombre légère, impression tout à fait personnelle que j'avais. Je me sens alourdi et vieilli par un rôle que je n'ai pas désiré. J'ai un réseau de 3800 kilomètres qui me suce seconde après seconde tout ce qui me restait de jeunesse et de liberté bien aimée. Antoine n'aime pas Buenos Aires. Il ressent plus de solitude dans cette capitale de 2 millions d'habitants qu'au milieu du désert. C'est parce qu'il est triste au fond de lui-même, en manque d'affection. Ma seule consolation, c'est de piloter. Je fais des inspections, des expériences, je reconnais des lignes nouvelles. Je n'ai jamais autant volé. Je reviens avant-hier de l'extrême sud, 2800 km dans la journée. Un beau petit raid. Mais attention, le survol de ces régions montagneuses est une aventure périlleuse, même pour les meilleurs pilotes. Malgré sa grande maîtrise, Guillaume va en faire la terrible expérience. En juin 1930, alors qu'il survole la cordillère des Andes, le pilote est pris dans une tempête. Ne répondant plus aux messages, il est porté disparu. Fou d'angoisse pour son ami, Antoine saute dans son avion et part aussitôt à sa recherche, au péril de sa propre vie. Lorsque Delay ou moi atterrissions à Santiago, les officiers chiliens, eux aussi, nous conseillaient de suspendre nos explorations. C'est l'hiver. Votre camarade, si même il a survécu à la chute, n'a pas survécu à la nuit. La nuit, là-haut, quand elle passe sur l'homme, elle le change en glace. Et lorsque, de nouveau, je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait non plus te rechercher, mais veiller ton corps, en silence, dans une cathédrale de neige. Mais Guillaume n'est pas mort. Au milieu des neiges éternelles, il s'accroche à l'existence. Il a abandonné son avion et marché dans la neige avec une idée fixe, que l'on retrouve son corps pour que sa femme puisse toucher sa prime d'assurance. Il est retrouvé 5 jours plus tard, à demi-mort d'épuisement, mais vivant. Son exploit devient mythique. L'héroïsme de Guillaume est un exemple pour Antoine, qui y voit aussi un espoir pour l'homme. Dans la chambre de Mendoza où je te veillais, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé. Je pensais, si on lui parlait de son courage, Guillaume hausserait les épaules et on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans les événements,
les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Surtout si l'on l'observe avec cette gravité lucide. Le courage de Guillaumet, avant tout, est un effet de sa droiture. Guillaume est sauvé, Antoine peut retrouver sa vie insouciante. Le seul attrait de Buenos Aires aux yeux d'Antoine est la nuit. Tous les soirs, on le croise partout en ville, où il s'amuse à faire la fête. Au début des années 30, dans une soirée mondaine, il rencontre une ravissante jeune femme salvadorienne, Consuelo Sunsin. Elle le séduit d'emblée par son exotisme et son humour. Elle est aux antipodes des jeunes filles bourgeoises qui ont éconduit Antoine sans ménagement. Elle est veuve d'un écrivain sud-américain. Elle-même peint, écrit et sculpte. Elle est pleine de fantaisie. Il lui propose naturellement de faire un tour en avion. Nous nous trouvions dans son avion. Il a installé mes amis à l'arrière, mais moi, il m'a mise à côté de lui. Il a tiré le rideau pour être séparé et isolé avec moi. Et au bout de 3 minutes de vol, il m'a dit « Embrassez-moi ». Et il a penché sa tête vers moi. Je lui ai dit « Mais écoutez, je vous connais depuis une demi-heure et dans mon pays, on n'embrasse que les gens que l'on aime ». Alors il a coupé le moteur pour me parler et il m'a dit « Je sais pourquoi vous refusez de m'embrasser, parce que je suis laid et que je suis chauve ». Et j'ai vu ses yeux noirs éclatants et des larmes d'enfant couler. Et je me suis penchée pour l'embrasser doucement. Et depuis, je l'embrasse encore. Antoine quitte Buenos Aires. Il rentre en France pour se marier. Il a 30 ans. Consuelo est sous le charme de cet homme peu classique, célèbre et bon écrivain. Il est excessivement grave. Il n'aime pas qu'on lui pose des questions, qu'on l'interviewe. Il aime la vie parce que comme il est très souvent dans le ciel, quand il est sur terre, il adore bien vivre et s'amuser. Il a toujours dans ses poches un jeu de cartes. Et quand vous venez lui parler, il vous dit « Pourquoi ? Êtes-vous voleuse ? Vous m'avez pris mon as de carreau, il est dans votre sac. » Il n'aime pas parler de lui, mais il vous fait des tours de cartes jusqu'à vous hypnotiser. Leur mariage a lieu le 12 avril 1931. Antoine écrit beaucoup. Insomniaque chronique, il estime toujours avoir la nuit devant lui. Galvanisé par le succès de Courrier Sud, il a écrit en Argentine un nouveau roman, Vol de nuit, dont il dit c'est un livre sur le vol de nuit. Mais, dans mon sens intime, c'est un livre sur la nuit. Je n'ai jamais vécu avant 9h du soir. Publié par Gallimard, Vol de nuit reçoit le prix Femina 1931. Ce prix est la récompense officielle de son talent. Pourtant, Antoine doute encore de sa belle écriture. Sa réussite, de plus en plus éclatante, lui cause d'ailleurs bien des soucis. Il est jalousé par les écrivains professionnels et décrié par les pilotes qui estiment qu'ils dévoilent leurs secrets. La Metro-Goldwyn-Mayer adapte Vol de nuit avec un metteur en scène hollywoodien. Clark Gable en est la vedette. Le film est un immense succès, tant aux États-Unis qu'en France. Cette fois, Antoine est carrément mis au banc des pilotes. Et il souffre de ce désamour. Ce qu'il ne réalise pas encore, c'est que Saint-Exupéry écrivain est en train de surpasser Saint-Exupéry aviateur. Le krach boursier de 1929 aux États-Unis a eu une conséquence directe sur les finances de la compagnie Aéropostale. Elle dépose son bilan en 1933, le gouvernement français ayant choisi brutalement de la priver de subventions au profit d'une nouvelle compagnie d'État, Air France. La belle aventure de l'Aéropostale se termine mal. Antoine est écarté des débuts d'Air France par des pilotes envieux. Il insiste, la compagnie finit par l'engager, mais pour faire des relations publiques, pas comme pilote. Il enrage. À Paris, où il vit après son retour d'Argentine, il fréquente intellectuels et artistes et mène une vie mondaine malgré d'éternels problèmes d'argent et des ennuis avec Consuelo, jeune femme capricieuse.
C'est à cette époque qu'il se lie avec Nelly de Voguet, une aristocrate élégante et fortunée. Ils ont un goût commun pour l'art et la culture. Nelly a des amis influents dans le monde entier. Elle leur présente Antoine, qu'elle a pris sous son aile. Sa vigilance est un soutien solide et durable. Antoine ne peut vivre sans une présence féminine. Admiratrice, muse, maîtresse ou protectrice, elles sont nombreuses dans la vie de ce grand angoissé qui ne se sent rassuré qu'auprès d'une femme. Grâce aux relations de Nelly, il devient reporter. Il n'est pas journaliste dans l'âme. Ce métier qui l'oblige à vivre dans le réel et à rendre ses articles à l'heure n'est pas fait pour lui. Mais il est fort bien payé, chose essentielle pour assurer son train de vie avec Consuelo. Cela le conduit à Moscou, en mai 1935, où, au contact du peuple russe, il comprend les ambiguïtés du régime stalinien. Sans prendre position contre Staline, il réagit en ne remettant plus d'articles à son journal. Cette expérience de reporter lui donne malgré tout une idée. Il va prévendre son prochain exploit à un magazine. Ce nouveau défi est un raid aérien. 10 000 km de Paris à Saïgon pour tenter de battre un record d'endurance et de rapidité de 98 heures et 52 minutes, ce qui implique plusieurs jours sans dormir. Le prix en cas de victoire est de 150 000 francs. Bien qu'endetté, Antoine est devenu propriétaire de son propre avion, le Simoun. Mais ce raid, il ne l'a pas assez préparé, tant il est miné par ses soucis financiers et sentimentaux. Le 29 décembre 1935, il décolle de Paris avec son mécanicien, Prévost. Pour pouvoir charger une quantité plus importante de carburant, Antoine a choisi de se passer du matériel radio. Le désert, il m'a été donné de l'aborder un jour par le cœur. Au cours d'un raid vers l'Indochine en 1935, je me suis retrouvé en Égypte, sur les confins de la Libye, pris dans les sables comme dans une glue. Et j'ai cru en mourir. Le crash a lieu en raison du mauvais temps. Le Simoun s'écrase en Égypte, au sud d'Alexandrie, au milieu du désert. Je suis très heureux de m'endormir. Ma fatigue m'enveloppe d'une multiple présence. Je ne suis pas seul dans le désert. Mon demi-sommeil est peuplé de voix, de souvenirs et de confidences chuchotées. Je n'ai pas soif encore. Je me sens bien. Je me livre au sommeil comme à l'aventure. La réalité perd du terrain devant le rêve. L'annonce de sa disparition fait grand bruit. Qu'est-il arrivé au célèbre Antoine de Saint-Exupéry ? Est-il toujours en vie ? Je ne sens plus le froid, à condition de ne pas remuer un muscle. Alors, j'oublie mon corps endormi sous le sable. Je ne bougerai plus. Et ainsi, je ne souffrirai plus jamais. D'ailleurs, véritablement, l'on souffre si peu. Il y a, derrière tous ces tourments, l'orchestration de la fatigue et du délire. Et tout se change en livre d'images, en conte de fées un peu cruel. Après 3 jours de marche, jusqu'au bout de leurs forces, lui et son mécanicien sont retrouvés par des caravaniers. Leur sauvetage est un grand événement. Antoine devient Saint-Exupéry, une légende vivante. À cet homme qui semble indestructible, il ne reste pourtant plus que 9 ans d'existence.
Il retrouve le désert à l'automne 36, au Maroc, où se tourne Courrier Sud, dont il a écrit l'adaptation cinématographique. Ces images de lui sur le tournage sont inédites. Malheureusement, même les héros, décidément, sont mortels. Cette fois, c'est Mermoz, un as pourtant, victime de son audace. En vol au-dessus de l'Atlantique, il annonce « coupon moteur arrière droit ». Antoine sait ce qu'un tel message présage. Quelques jours après ce funeste 7 décembre 1936, il rend hommage à son ami. « Mermoz nous manque peu à peu, comme pourrait nous manquer le pain. À force de ne pas entendre son rire clair, nous nous demandons, non avec l'esprit, mais avec tous nos réflexes, où donc est-il ? Et nous découvrons lentement que rien ne le remplacera. On ne se crée pas de vieux camarades. Rien ne remplace jamais le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne bâtit pas de vieilles amitiés. » La disparition de Mermoz à l'âge de 35 ans assomme Antoine, déjà blessé par sa relation tumultueuse avec Consuelo. Après la mort de l'aéropostale, ce sont maintenant les amis de la ligne qui disparaissent. Nous sommes au milieu des années 30. Le monde, lui aussi, est au plus mal. Envoyé en 1936 et 1937 pour couvrir la guerre d'Espagne, Saint-Exupéry en revient bouleversé par la barbarie de ce conflit qui oppose des frères. Ceci dit, malgré sa sympathie évidente pour les républicains espagnols, il n'adopte pas une position radicale contre Franco. Il débute l'écriture d'un essai philosophique, Citadelle. Son œuvre posthume, s'amuse-t-il à dire. Il arrête le reportage de guerre pour recommencer à voler. C'est libéré des contraintes qu'il se sent le plus heureux. On le retrouve à New York en 1938. Avec la prime d'assurance de son crash en Libye, il s'est offert un autre avion. Le voilà équipé de neuf pour se lancer dans un nouveau raid. Il s'agit cette fois de rallier New York à la Terre de Feu. Un voyage de 14 000 km, dont le périlleux survol des Andes, qui a failli être fatal à Guillaumet. Après une première étape réussie, le drame survient au Guatemala. Trop chargé en carburant à cause d'une grossière erreur de dosage, l'appareil s'écrase en bout de piste. Cette fois, Antoine plonge dans un profond coma. Je ne regrette rien. J'ai joué, j'ai perdu. C'est dans l'ordre de mon métier. Mais tout de même, je l'ai respiré le vent de la mer. Ceux qui l'ont goûté une fois n'oublient pas cette nourriture. N'est-ce pas, mes camarades ? Et il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette formule est prétentieuse. Les toréadors ne me plaisent guère. Ce n'est pas le danger que j'aime. Je sais ce que j'aime. C'est la vie. Il est inconscient durant 5 jours et subit plusieurs opérations. Consuelo se précipite auprès de lui. Mais leur mariage est irréparable. Et c'est avec Nelly de Vogué qu'il passe sa convalescence à New York. Elle prend grand soin de lui. Si une nouvelle fois il se relève de cet accident, il en garde de profondes séquelles. Il n'a que 39 ans, mais son corps est meurtri. Pendant sa convalescence à New York, ses éditeurs américains l'incitent à écrire un nouveau livre. Antoine réunit ses expériences les plus fortes dans un récit puissant, « Terre des hommes ». Il y fait le récit de 2 formidables histoires de survie, celle de Guillaumet dans les Andes et la sienne propre dans le Sahara. Ce livre, dans lequel s'exprime toute la sensibilité et l'humanisme de son auteur, remporte un succès fou. En France, il obtient le Grand Prix de l'Académie française. Aux États-Unis, il est nommé « Livre du mois ».
la notoriété américaine d'Antoine explose. Mais la guerre menace de nouveau en Europe et Antoine quitte précipitamment New York pour rentrer dans son pays. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Capitaine de réserve, Antoine est aussitôt mobilisé. Il se présente à l'armée avec le double handicap de son âge et des séquelles de ses multiples accidents. Il refuse catégoriquement un poste à l'arrière, quand d'autres risquent leur vie. C'est pour lui une affaire d'honneur. Or, personne ne veut plus de lui. Il parvient finalement à se faire affecter dans une unité de reconnaissance photographique, le groupe 233. Son arrivée n'enchante pas les autres pilotes, car Antoine est célèbre et gradé. Mais il se révèle drôle, amical et fort courageux pour résister aux rudes conditions de vie et de vol. Néanmoins, s'il assume d'être pilote de guerre, il préfère ne pas être celui qui lâche des bombes. Si je ne fais pas la guerre, je suis moralement bien malade. J'ai beaucoup de choses à dire sur les événements. Je peux les dire à titre de combattant et non de touriste. C'est ma seule chance pour que je parle. Son fait de guerre, ce sera une mission à haut risque au-dessus de la ville d'Arras. Il décolle le 23 mai 1940 pour une mission d'observation des positions allemandes au nord de la France. Lorsqu'il rentre, son avion transpercé de balles, il est bouleversé par ce qu'il a vu du ciel. Un mouvement des chars allemands et la fuite massive de la population. Cette information cruciale est transmise à l'état-major français, qui n'en tient pas compte. La menace est pourtant bien réelle. Quelques jours plus tard, l'armée allemande envahit la France. Antoine est effondré, écœuré, en pensant aux pilotes envoyés à la mort pour des missions qui n'intéressent personne. Tout cela le rend fou. Le gouvernement français choisit de capituler. L'armistice est signé le 22 juin 1940. Le régime de Vichy s'installe au pouvoir. La défaite est une douleur pour Antoine. Il prend conscience que son pays était incapable de gagner cette guerre. Il est révolté par les décisions du gouvernement, même s'il admet comme essentiel d'épargner la population. Il est démobilisé. Commence alors le temps des manœuvres politiques qui opposent le régime de Vichy du maréchal Pétain au mouvement de la France libre du général de Gaulle. Antoine s'accroche à sa neutralité et refuse de céder aux deux camps français rivaux qui se l'arrachent, lui et sa notoriété. Il n'aime ni de Gaulle, auquel il reproche de s'être autoproclamé chef et de diviser les Français, ni Vichy, qui, selon ses propres mots, laisse un peu trop fusiller. Résultat, chacun des deux camps le soupçonne d'appartenir en secret au camp adverse. Lorsque Vichy prend des mesures contre les Juifs, c'en est trop pour lui. Il part pour New York chercher de l'aide auprès des Américains. Loin d'abandonner le combat, il espère convaincre les États-Unis d'entrer en guerre contre l'Allemagne. La traversée est houleuse. Antoine a le cœur lourd. Juste avant d'embarquer pour l'Amérique, il a appris la mort de Guillaumet. Son avion, pris dans un combat aérien opposant Anglais et Italiens, a été abattu par erreur. Guillaumet rejoint Mermoz au fond de la mer. Resté seul sur terre, Antoine est anéanti. Il a le sentiment de ne plus avoir d'amis. Il est seul lorsqu'il débarque à New York à la fin de 1940. Il vit séparé de Consuelo depuis le début de la guerre. Mais il connaît beaucoup de monde dans la capitale culturelle américaine. Il est très apprécié aux États-Unis. Terre des Hommes, en anglais Wind, Sand and Stars, s'est vendu à 250 000 exemplaires et a reçu le prestigieux National Book Award. Ses éditeurs américains espèrent un nouveau best-seller. Or, il n'a rien à leur proposer. Pour l'inciter à se mettre au travail, on l'installe dans un bel appartement avec vue sur Central Park et il reçoit une avance de droit d'auteur. Mais rien ne peut le détourner de la mission qu'il s'est fixée, avec une certaine naïveté.
convaincre les Américains d'abandonner leur neutralité. Malgré ces différentes rencontres avec de hauts responsables militaires américains, les négociations sont au point mort. Il est déçu, déprimé. D'autant que l'atmosphère devient irrespirable pour lui à New York, où la communauté française en exil est très divisée et agressive envers lui. Il doit se justifier en permanence pour assurer qu'il n'est d'aucun camp et que seul lui importe la réconciliation des Français. Cela l'épuise. Il est aussi malade. Une fièvre inexplicable le tenaille depuis plusieurs mois. Pour fuir cette ambiance épouvantable, il part à Hollywood, où l'a invité le cinéaste Jean Renoir. Ils avaient sympathisé sur le bateau de l'exil. Renoir souhaite adapter Terre des Hommes. Ensemble, ils rencontrent des producteurs, mais le film ne se fera jamais. À Los Angeles, Antoine se fait opérer. On lui retire des débris de bois fichés dans son corps depuis son accident d'avion de 1923 au Bourget. Il se remet à écrire. De retour à Manhattan, il apporte à ses éditeurs un livre émouvant, Pilote de guerre, en anglais Flight to Arras. Sorti aux États-Unis en février 1942, il reste 6 mois sur la liste des meilleures ventes et influence l'opinion américaine en faveur de la France. Gallimard publie Pilote de guerre la même année, dans une France sous occupation allemande. Il est rapidement interdit par le régime de Vichy, car son auteur y fait notamment l'éloge d'un pilote juif. Une nouvelle fois, Antoine est pris dans le feu des critiques. Vichistes, comme gaullistes, se déchaînent contre lui. Tous lui reprochent d'avoir critiqué l'armée française. Voulant le distraire de sa tristesse, ses éditeurs américains lui suggèrent d'écrire un conte pour enfants. Lui qui aime tant ce pays de l'enfance et qui a pris l'habitude de dessiner partout de drôles de personnages, dont un petit bonhomme aviateur. Consuelo est venue le rejoindre à New York. Elle s'installe dans un appartement attenant à celui de son mari, où elle reçoit la crème des artistes européens exilés. Malgré leur mésentente chronique, Antoine n'abandonne jamais Consuelo, qu'il garde comme épouse jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle sait bien qu'Antoine aime d'autres femmes. Comme époux, il était un ange. On ne pouvait lui en vouloir de rien. Un jour où j'avais trouvé une lettre très belle, avec des phrases beaucoup plus affectueuses que j'aurais voulu, destinée à une autre femme, je lui ai montré et il m'a dit « Ma petite femme, tu veux que je sois un bon écrivain ? Alors j'écris de belles lettres. » Depuis quelques mois, il entretient une amitié amoureuse avec Sylvia Hamilton. Lui ne parle pas un mot d'anglais, il a toujours refusé d'apprendre. Elle ne parle pas français, mais ils passent beaucoup de temps ensemble. Durant l'été 42, dans une période où il est en pleine détresse, en exil, en quête de sens pour sa vie, Antoine écrit et illustre Le Petit Prince. Malgré la demande de ses éditeurs, il refuse de changer la fin de son conte. Le petit prince doit mourir. 17 avril 43. Antoine et Sylvia se voient pour la dernière fois. Il lui confie le manuscrit terminé. Le souhait d'Antoine s'est réalisé. Les Américains sont entrés en guerre contre l'Allemagne. Après 2 ans d'exil, il rentre en France avec la ferme intention de participer au conflit. Je suis ton ami plus profondément que tu l'imagines. Cela est masqué, invisible, à cause des mauvais rapports que j'entretiens avec l'amour. Cela est pour moi un mystère, bien fatigant. L'amour ne me fait pas parler, il m'empêche de parler. Il ne me délivre pas, il m'enferme. Et en même temps, il m'est nécessaire. Petite Sylvia, je suis un bien mauvais marin. Ma barque ne vous est pas douce, et je ne sais guère où je vais. Tous vos reproches, sans exception, sont mérités. Et cependant, ma tendresse est extrême. Quand je pose ma main sur votre front, je voudrais le remplir d'étoiles. Malgré l'engagement personnel d'Antoine, on ne veut plus qu'il combatte. Sa mise à l'écart le révolte. Après d'âpres négociations, il reçoit enfin l'autorisation tant attendue de réintégrer son unité, le groupe de reconnaissance 2-33.
Il vole désormais sur un avion ultra-puissant, le Lightning P-38. À 44 ans, il a largement dépassé la limite d'âge et avec ses problèmes physiques, c'est une pure folie. Mais il est Saint-Exupéry. À force d'entêtement, il a obtenu une dérogation. 5 missions exceptionnelles lui sont accordées. Si je suis tué en guerre, je m'en moque bien. Ou si je subis une crise de rage de ces sortes de torpilles volantes qui n'ont plus rien à voir avec le vol et font du pilote parmi ses boutons et ses cadrans une sorte de chef comptable. Mais si je rentre vivant de ce job nécessaire et ingrat, il ne se posera pour moi qu'un problème. Que peut-on ? Que faut-il dire aux hommes ? Le 31 juillet 1944, Antoine s'envole de sa base de Borgo en Corse pour sa 3e mission au-dessus de la France. Il part repérer un lieu possible pour un débarquement américain sur les côtes méditerranéennes. Il ne rentrera pas. Il disparaît en mer à l'âge de 44 ans. Si après des décennies de recherche, son avion a été retrouvé au large de Marseille, les circonstances précises de sa mort ne sont toujours pas éclaircies. Tout est imaginable. Antoine disparaît en nous confiant son petit prince. Sylvia a tenu sa promesse et le conte a été publié aux États-Unis, dans les deux langues anglaise et française, en avril 1943. Le succès est immédiat. La France, enfin libérée, découvre Le Petit Prince en 1946. Traduit en 159 langues et dialectes, il est aujourd'hui le livre le plus lu au monde après la Bible. Avec cette fable philosophique et poétique, où se mêlent gravité et tendresse, Antoine de Saint-Exupéry nous invite à trouver un sens à l'existence par les liens humains. Le Petit Prince est l'héritage bienfaisant d'un homme romantique. Le dernier, peut-être.